Hey, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. T'as envie de me soutenir? Va sur YouTube, tu peux regarder une petite publicité et ça m'aide énormément. Bonne vidéo! Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Even. Bienvenue pour un nouvel épisode de Boduction en live. Salut Gigique! Bonsoir! Nous avons également Atlantica qui nous a rejoint. Bonsoir! Atlantica! Ah, pas mal! Il a bué! J'avoue, il y a eu un effort là, c'est pas mal! Et donc, bien entendu, il y a Dark Shadow et Azunshin qui sont en train d'arriver. J'ai vu Azunshin envoyer un message, j'arrive, donc il est en train d'arriver, donc vous voyez, c'est pas grave. Attendez, j'ai un épi qui est là et qui me perturbe de ouf! Genre, je suis en mode. Mais carrément quoi! Ouais, genre, je le regarde, je suis là en mode. Va-t'en! Voilà. Quoi ce petit bout qui dépasse? Non mais il veut pas, regarde, c'est le rebelle là, il est là, il m'a dit je veux pas, je me battrai jusqu'au... Mais va-t'en. Bon, tant pis. Faut le casque dessus, je sais pas. On n'y arrivera pas. Rejoins. Ah, bonsoir Azunshin. Salut les gens. Il a changé sa phrase de départ, c'est foutu. Ah ouais, il a dit salut les gens, genre quoi? Ah non mais là, on est dans le caca, non mais c'est la fin, c'est la fin. Allez, joueur ce jeu. Revenons un petit peu à nos moutons. Donc, Moduction. Alors, vous le... Putain, c'est qui a été se balader dans... Qui c'est qui a été se balader dans le fournace? Non, c'est pas moi. C'est qui que je défonce? C'est juste un mob qui est tombé dessus. Non. Bah ouais, j'ai vu un mob, j'ai tapé, il est tombé. Je veux voir ça. Putain, mais... donc un mob donne 20 wiki... Putain, mais... Okay. Et donc oui, dans vos commentaires, vous m'avez dit, écoute, balance des entonnoirs, tu seras tranquille, comme ça peut te les vider automatiquement sous les trucs. Alors, bah, du coup, je vais aller crafter ça pour voir un petit peu des entonnoirs, parce que c'est vrai que ça peut être super cool si on peut récupérer des lingots comme ça hyper vite, bah, on sera tranquille. Ton four, c'est aussi ta maison, elle est dans ton style de construction, un carré, quoi. ouais, bah, en même temps, là, j'ai pas le choix pour le four, hein, donc excusez-moi, mais bon, je fais un petit peu ce qu'il propose. Non mais bravo. Bah non, j'ai mis AFK pour farmer du cobble. Non mais je sais, mais c'est Clem qui se fout dans la lave. Pourquoi tu fais mais Clem, pour rien en dégâts quoi, quasiment. T'en as pas marre, la moitié de ta vie là. C'est pas l'heure de se laver. Ah, casse-toi. Il va mourir là. Regarde le bloc en l'air. Allez, va chercher ton stuff maintenant. J'avais 36 niveaux quoi. Il a fait le malin. Non, en fait, j'ai tapé une fois. Bah, c'est de la faute d'Az, quoi. C'était quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait, Az? Bon. J'ai juste tapé une fois. Ah, tu l'as frappé avec. C'est moi à monter là-haut. Déjà, je vais déplacer tout mon atelier de travail parce que c'est vrai que ça, je ne l'avais pas encore fait. Hop, je l'avais pas déplacé donc je vais tous les mettre là-bas. Hop, voilà. Ça. Oula, un petit freeze. Tu générais un truc? Rien du tout. Ok. Voilà, comme ça on a notre petite table, le petit cabinet, etc. Et merci Yacine pour ton follow. Est-ce qu'on peut vider des contenants? C'est-à-dire que là par exemple il y a un monstre qui est tombé malencontreusement dans le bassin. Donc j'ai mes cirés de stone et j'ai du sang. Donc le sang je m'en fous, j'ai bien envie de m'en débarrasser. Est-ce que c'est possible de le vider sans avoir à le faire s'écouler quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de le vider ou est-ce qu'il va falloir obligatoirement que je le fasse couler? Parce que je l'avais déjà fait couler, hein, c'est possible, mais c'est vrai que bon, c'est un peu chiant. Vide le sang dans une poubelle à liquide qui se craft avec une poubelle et un seau vide. C'est-à-dire que là, en fait, à la place de ça, je mettrai une poubelle à liquide, je le verse dedans et c'est bon, quoi. Pour le sang, on verra plus tard. De toute façon, pour l'instant, je vais essayer avec donc les entonnoirs. Sachant que je ne suis pas très bon, vous le savez, soyez indulgents. Mais là, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, ce qui m'arrangerait beaucoup et que tu fasses, Clem, ce serait déjà de commencer à faire des disques durs. Je te dis, le wiki dit que pour le four, Tinker, c'est 15 sur 15 sur 15, comme le tank Tinker, et pour la fonderie, c'est 9 sur 9 sur 255 de haut. Ok, ça marche, c'est noté. Voilà. Merci pour les informations. Alors, c'est vrai que je mets des entonnoirs, mais j'aurais peut-être pu utiliser des tuyaux, des trucs, parce qu'en vrai, on a plein de choses. Les tuyaux, c'est 50 millions de fois plus efficace. Mais... Waouh! C'est sursauté. Que se passe-t-il? Ah oui, si tu cherches le coffre. Ah, Name, coucou, j'adore ce que tu fais avec Azunshin. Vous me redonnez le sourire quand je regarde tes vidéos. Merci, Name338. Oui, merci. Et merci Name. Pour ton petit don. C'est très gentil, merci à toi. Et merci à vous aussi pour tout ce soutien. Vous aussi, vous me redonnez la patate.
Déjà, tu vois, dès que je commence à prendre des tuyaux, des entonnoirs, là, c'est, tu sais, je sens déjà que ça va partir en couille, tu vois. C'est le moment où tu sens que c'est clairement pas serein, tu sais. Ils ont tous connu, si vous avez regardé Tom Craft, si vous avez regardé Fly for Fly, vous savez que j'ai du mal avec ce genre de truc. Mais je le fais. Et voilà, j'ai deux quantum. Tu as quantum, d'accord, super. Bah, j'arrive. Ils ont le malin plaisir de... Comment ça marche, cette merde? Oui, à peu près. Vas-y, je vais faire ça tout seul, et puis quand ça va fail, bah, je vous appellerai. Au secours! Ça ne marche pas! Je ne sais pas comment ça marche. Juste, pense bien à créer une fréquence pour toi. Oui, à chaque fois, vous me le dites, hein, je le sais, vous êtes très bienveillant avec plein de conseils, mais il faut être très patient avec moi là-dessus. Je suis comme un petit papy qui découvre une nouvelle application. Le réseau social, le Facebook. Chérie, c'est formidable. J'ai découvert l'Internet. Ça, c'est un petit peu ça, en fait, hein, quand je suis avec l'automatisation. Oula! Oh, Lauriane! Merci, Lauriane! Wow. Les casting tables et bassins sont compatibles avec les tuyaux. J'utilise ça pour vider mes casting tables et casting bassins. Ah! Encore mieux! Merci! Ça marche! Et merci pour la Sainte-Mante, Lauriane! Merci! La Sainte-Mante. Apparition de Sainte-Mante sauvage! On a appris, grâce à Lauriane, que nous pouvons utiliser directement des tuyaux. Oh. Ok. Donc, parce qu'au pire, j'ai peut-être même pas besoin d'un quantum, hein, je dis ça, mais en fait... Si je le relie au-dessus, là... Oui. Alors. Normalement... Ah, bah là, c'est, là, ils sont connectés, donc ça marche. Ouais, ouais, ouais. Il faut peut-être les changer de mode après, je sais pas comment... Oui, oui, on va regarder ça après. Je vais faire couler. Parce que l'idée, là, c'est qu'en fait, si ça remonte là, on est d'accord que là, je mets un coffre par-dessus, et c'est bon. Ouais. Faudra peut-être juste, tu vois, changer les modes... Il faut un configurateur pour ça. T'as un configurateur avec toi? Ouais, j'en ai toujours un. Est-ce que tu peux me le prêter pour que je fasse un diagnostic de non, médecin? Non, creeper de merde. Ouh, ça va. Merci beaucoup. Alors... Tu sais comment ça marche? Non, pas du tout. J'arrive avec mon thermomètre. Alors... Vas-y. Je savais pas s'il y avait une interface ou pas. Il se met sur l'oreille. Des sneak click. Non, pas là-dessus. Sur le bout en haut. Ah merde, attends, je vais le remettre en normal. Parce que ça, c'est les priorités pour le filtre. Ça, c'est pour les filtres, hein, on est d'accord. Fais gaffe, tu vas te faire péter. Non, il est en noir, là. Ah oui, merde. Encore? Voilà. Voilà, okay. Là, c'est bon. Si tu cliques sur le petit bout en haut, voilà. Là, il est en mode poussé, donc voilà, pull. Comme ça. Ah, donc il faut du pull. Très bien. Ouais. Comme ça, il va aspirer, en fait, automatiquement les... Ah bah tiens, ça part déjà. Parfait! Merci, ouais. Clem. Et là, t'as tout dans ton coffre. Et c'est nickel! Voilà! T'en as oublié un, je crois. Ah, oui, effectivement. Voilà, et là maintenant, hop! Ah, c'est génial! Ça a coulé à l'infini en fait maintenant. Bah oui, c'est ça qui est bien! Tiens, je te remercie. C'était le but! Merci. Des bricks! Et je peux le faire aussi pour les casting bassins, mais du coup, je vais les relier aussi au casting bassin. Mais pour l'instant, je veux que des bricks, parce que les bricks en fait sont mieux. Elles sont plus cool, les bricks. Fais gaffe, il y a Arrête! Je t'ai vu! T'as de la Skystone là, si tu veux t'entraîner d'ailleurs. Eh, t'as repris bah, toutes les cobblestones, Asne, par contre, repasse-moi les... Il est dans les coffres dessus. Mais arrête de les foutre là-haut, putain. Si j'ai créé un générateur de cobblestone, c'était pas pour que tu t'amuses à faire des Rubik's Cube avec. Bah, tu vois, y a pas... What? Quand tu me dis là-haut, putain, c'est... Putain, j'entends rien avec l'éolienne. Putain, j'entends rien. Arrête de gueuler. Dis-moi où ils sont, tes cobblestones. Dans un coffre en diable. Mais je te jure, j'entends rien! Bah oui! L'éolienne de merde! Mais attends, hey, j'ai un truc! Tiens, pour couvrir le son, les gars! Ah, parce que le temps que ça fonde. Ah, c'est bien, ça fait. Ah, ça produit ça trop vite, c'est trop cool! On va y être en moins de deux, là! J'ai l'impression que tu m'entends! Oui, je t'entends, putain! J'arrive! Attends! Attends, j'ai niqué un arbre parce que ça me souffle! Si tu peux remplir automatiquement la forge de cobble, alors tu pourras tout automatiser. Bah, je pense le faire. Eh bah oui, le quantum il va servir à ça. On va la fourrer de. Mais non, mais on n'a pas besoin d'autant. Oh putain, mais il y a un portail du Nether qui a popé. Ok, c'est absolument n'importe quoi. Je mange des crêpes, Nutella, chantilly. Elle a craqué, Gigi. Et là, je me suis lâché sur une fringuée de crêpes ciboulette, sa mère. Voilà. Ils ont rien compris. Alors attendez, parce que vous avez beaucoup de messages. Ah, pour se détendre, t'inquiète pas, elle s'est détendue, hein.
Ok. Non, mon cul va bien, je te remercie. Ah, mais vous faites là, calmez-vous tout de suite là, mais qu'est-ce que quoi Comme ça, il va être obligé de le couper pour la rediff. Super, que... ouais, et si je le laisse, et si je le laisse à la rediff, hein? Oups. Ah bah ouais, hein. Ah. C'est moi qui décide, hein. Ça, plus ça, ça fait ça. Ça, plus ça. Alors. On va essayer avec les animaux déjà. Parce que ça, normalement, ce bloc-là permet de fermer leur gueule aux animaux, en fait, tout simplement. Hein. Littéralement, c'est ça. C'est le shut up block. Alors, essayons avec. Il plaît à Clem. Attendez. Je vais couper la musique, je veux bien écouter ce qui se passe. Attendez. T'es censé entendre quoi? Ils ont fermé leur gueule. Vous entendez? On n'entend plus les poulets, c'est ouf. Et si je le pète? Wow. Bah, on les entend. Et casse-toi la chose. Il faut plus qu'un bloc, hein, ton bazar pour les éoliennes. Donc attends, ça marche pour ça. Attends, on va aller voir pour les éoliennes. Alors attention, fermez vos oreilles. Ah, j'ai libéré un poulet. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Ça risque de faire beaucoup de bruit. Vous êtes prêts? Je vous ai prévenu, descendez le volume. On y va. Attention aux oreilles. Non, je vous préviens. Est-ce que tu entends? Eh oh. Ça marche pas. Allez, boule. Mais il en faut peut-être plusieurs. Bah oui, t'imagines. Ouais, je sais, il y a des upgrades de silence, mais je voulais savoir si ce bloc allait marcher ou pas. Ah, attendez, je vais baisser le son quand même. Ce bruit. Quelqu'un boit. Alors attendez. On va remettre la musique, tout va bien. Je vous avais prévenu, hein. 50 personnes sont parties du live. Mais il est malade. Il est complètement cinglé, ce mec. Je pourrais avoir ton configurateur? S'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Que tu viens de le chercher. J'arrive. Là, ton système marche mal, ton liquide n'arrive pas jusqu'au dernier truc, fais gaffe. Ah oui, non, ça, c'est pas. Il marche pas mal, c'est juste que. Ah bon? Attends. Il y a un doute là. Effectivement, ici. Effectivement, c'est de la merde. Voilà. Voilà, c'est frère. Voilà. Alors après, il a peut-être pas le temps parce que ça coule. En fait, il recoule dans l'autre. C'est possible. Ouais, c'est possible qu'il ait pas le temps. Donc en fait, il s'arrête avant. Merci, monsieur. Tiens, t'auras ça et ah, ah, merci. Ça. Par contre, je voulais te le charger, tu vois. D'accord, bah je vais le chercher. Merci. Non, tiens. Ah, d'accord, bah. Ah bah merci, oh bah vous êtes formidable. C'est vrai qu'il se balade avec du... Lui il a toujours des batteries. si t'as besoin, t'as... avec un quantum, tu peux te brancher sur la fréquence énergie. Oui. Pas de soucis. Ça, je sais comment faire. Non, ça, tu as récupéré ma batterie. Ça, c'est en poule. Voilà, comme ça, tout balle par il là-bas. Il est caché. Ok. Et donc là... Attends, tu m'en as fait un stack, c'est beau. Vas-y, mets-le dans la forge. Qu'est-ce que... Qu'est-ce quoi, non? Ça touche. Je veux nager. Il veut surtout crever, ouais. Vas-y, viens, on essaie de mettre plein de trucs, voir ce que ça fait. Non. On a déjà fait avec de la cobble et tout. Attends, vas-y. Arrêtez, non. Mais faudrait trop essayer, genre, avec un truc du style un miner, tu vois. Alors, attends, hop. Tout foutre sur les minerais. Et logiquement, là, maintenant, on va avoir ah, de quoi faire. Ah, c'est un faux, je croyais que c'était une poubelle. Ah, mais vous essayez de cuire mon truc. Ok. Donc là, normalement, je cache tout ça. Ah, c'est toi qui viens de foutre la cobble? Non, ça, c'est... Oui, c'est moi, ça. Ah. Je crois que c'était... non. Bah non, je suis au-dessus. Logiquement, là... Merde, manquait un bout, là. Et là, du coup, pour pouvoir sortir tout ce qu'il faut. Alors, voilà, on remet cobblestone à fond. Alors, on tente.
Il faudra que ça... Ouais. Ah, nice. Bon, par contre, il faut quand même que je clique. Et donc là, tu me dis qu'il y a une cloque pour que ça clique. La cloque du clic. Donc effectivement, là, on voit, hop, l'item. Et ça part... là-dedans, directement. Dans le nether, un liquide jaune qui remonte. Ah oui, il y a le liquide... Il y a plusieurs liquides avec Tinker aussi qui font ça, je crois. Ok. Là, on a une grande fonderie. Et désormais, on a une capacité de 1000 lingots. Voilà. Donc là, on va pouvoir... Ah oui. On va pouvoir alors, en mettre. Est-ce que tu sais que tu peux automatiser la création des circuits imprimés dans la presse qui serviront? Ok. Oui, tout à fait. C'est la prochaine étape que je vais faire dans Applied. C'est automatiser les crafts pour faire des compresseurs, pour faire plein de choses. Avec des crafting patterns, donc c'est les prochaines choses qu'on va faire. C'est juste que là je suis sur Tinker, mais du coup tout à fait Applied, après on partira pour faire ça, nos soucis. Donc voilà, là on peut avoir beaucoup, beaucoup. Très bien. Et on va continuer de faire des briques à fond. Et là c'est bon, donc là on farm à fond briques, comme ça nickel. Et donc l'idée, le quantum, alors attendez, j'ai des quantum ici. Donc ça veut dire que, est-ce que je peux faire ça? Là, c'est grosse question, encore une fois. Ah, ma fréquence, faut que je la crée direct ou pas? Oui. Ah, le transport item se connecte pas au... Vérifiez les entrées et sorties du cube. Ah oui, c'est vrai. Donc, je set une fréquence, hein, on est d'accord, c'est le set pour la fréquence. On... Ouais. Tinker, je vais mettre une fréquence Tinker. Ok, Tinker, Dark Heaven. Alors, config, eject off, on. Alors, ce sera en éjection... Ok, c'est bon. Donc vous pouvez éjecter de la cobblestone là-dedans. Ok, j'ai une fréquence Tinker, c'est parti. Oh là là, je sens qu'on va y arriver. Je sens que ça va pas être si compliqué que ça. Ok. Donc la fréquence est faite. Maintenant, on va se connecter à ça. Voilà. Et nous allons caler un petit... Voilà. J'ai une question. Là, on le branche au Tinker. La énergie Z Netherrack, c'est utile ou pas? Pour l'instant, je sais pas, là je peux pas te dire. Et eject off. J'ai récupéré ça littéralement par accident. Oui. Mais il te faut un tuyau, hein, tu peux pas coller. Oui, mais j'ai un tuyau. Ah bah oui, je suis con. D'accord. Il faut qu'il y ait une sortie aussi. C'est bon. Qui est ce petit? Ah là là, les enfants. Hein. C'est bon. Drop of Evil, c'est quoi ça? On sait rien. Donc ça c'est ok. Mets toutes les faces en output. Ah, c'est du output, tu penses? Alors, l'expert est là. Ah, ça marche, c'est bon. C'était en output, merci. Non, sérieux. Merci Dinark. Oui, c'était qu'il fallait le mettre en output. Je mettais input comme un con. En fait, pour moi, c'était le bloc qui input dans le truc, mais non. C'est pas ça qu'il faisait. Ah, ça marche, trop bien. Ok, c'était juste le output que j'ai oublié de caler. Effectivement, merci. Et donc, ça fonctionne. Donc là, voilà, ça part. Alors, Quantum, on sait pas où est-ce. Ouais, ça part directement, ok. Et il l'envoie directement ici. Ok, super. Bon, bah, on a automatisé la forge. Bon, ça peut déborder ou pas? Non, ça déborde jamais. C'est-à-dire que quand c'est au maximum, en fait, il attend. Donc, on va le voir là, en direct. Comme ça, ce sera... Ça sera cool à voir. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste les remplir. Et du coup, c'est plutôt cool. Bon, après, j'en aurais pas besoin à l'infini, mais... Hop. Et là, paf. Voilà. Il l'a rempli. Oh, c'est génial. Super. On a tout automatisé. Donc là, maintenant, c'est parti. On va faire des briques à l'infini. Voilà. Et là, tout va rentrer là-dedans. Ouais, l'ange bientôt mort. Allez. Il s'est pas cru que l'ange. Bon, ça va, maintenant, t'as un jetpack. Parce que moi, quand je l'ai combattu, putain, j'ai couru. Ouais, j'ai vu. Alors, on va faire ça ici pour le four. Hop. Allez, sale pute! Mais dis donc, ça va? Mais j'arrive pas à la tête! Ouais, mais quand même! Le mec, doucement les insultes, Azn! Quand t'es en tournage, on coupe, mais là, t'es en live! Ah merde, j'ai presque cru que c'était de la comète. Elle est décédée! Je voulais me poser tu peux mettre du verre sur une face du four? Point d'interrogation.
Bonne idée, enfin bonne question, ce que je voulais dire. On va voir, parce que là, j'en ai aucune idée. Excusez-moi, alors, là... pourquoi un four aussi gros? Bah parce que pour voir ce que ça fait, c'est rigolo. Parce qu'on a jamais assez. Et parce que, bah déjà, Clem et tout, ils ont des fours, mais ils sont pas hyper puissants. Enfin, ils sont tous branchés en série, donc on peut pas forcément les utiliser. Et je me disais, bah tiens, quand on a besoin, de temps en temps, bah bam, et du coup on perdra pas de temps, ce sera un truc ultra rapide, ultra puissant. Et puis c'est rigolo, c'est un petit challenge, faire un maxi four. Je trouve ça génial. Ouais, nous notre challenge c'est la batterie. Ouais, on va se faire la matrice à induction. Ah, la matrice à induction de Mechanism. 17 x 17 x 17. Ouais, c'est encore plus gros que moi. Ouais, beaucoup plus de ressources. Hein. On n'arrivera jamais à la crafter en fait, je pense. Elle est vraiment trop gourmande en tout. Bah, tout dépend, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la série, donc... Oh oui. Donc le vol stationnaire, je sais pas du tout quel bouton il faut faire pour l'utiliser. C'est vrai que ce serait pratique. Attends, comment c'est le vol stationnaire? T'as un bouton, c'est quoi le bouton, Asne? Tu le connais ou pas? Non, je l'ai fait un moment, après j'ai plus lequel. Ouais, mais il faut le changer, il existe pas par défaut. C'est quoi le nom? Armor Mode Switch? Oh! Je crois que c'est... Yo, je sais pas, c'est ma main, elle est rentrée toute seule. Elle a entré ça toute seule, ah! Il a glissé, merci Mubu pour ton don! Merci à toi! Merci pour ton soutien! Ouais, c'est Armor Mode Switch. Armor Mode Switch, tu me dis? Ouais. Ok. Ouais. Alors regardez, il y a un petit truc que je vous ai pas montré encore. Vous avez vu, c'est le mode Mind Menu, et on peut mettre des trucs. Donc par exemple, là, on va prendre une action. Et donc on va... action catégorie, click use item, key binding. On va faire un key binding, donc pour connecter en fait un raccourci. Donc là, vous voyez, je suis en conflit avec une touche. Donc du coup, je vais aller le chercher directement dans mon truc de contrôle. Voilà. Là, je vais prendre armor mode. C'est l'armor mode switch, hein, tu m'as dit. Ouais. Voilà. Je le sélectionne. On va le mettre en mode press. Done. Enter a title, donc là on va mettre réacteur create, done, et là normalement, voilà, et si je rappuie dessus, voilà, et ça s'appelle mind menu, si jamais vous connaissez pas, et ben c'est vachement cool, parce que quand vous avez des conflits de touches comme ça, ben vous pouvez faire votre truc tranquillement, et ouais, c'est vachement cool. 4 stacks par truc, ça va. Eh, je peux vous le dire, on a perdu du temps, mais ça valait le coup de l'automatiser. Parce que quand tu vois le nombre de briques qu'on utilise là, c'est juste insane. Bon, je vous abandonne, les gars. L'appel de mon oreiller. Ça marche. Bonne nuit, mamie. Eh ouais, j'ai mamie a besoin de sommeil. Faut ça bien, j'ai ce respect. Ah, il est mort très rapidement, quand même. Hein. À plus. Salut, bonne nuit. C'est trop gros. Hein? C'est des ox. Il est fou, lui. Merci pour ton host. On est déjà nombreux ici, j'ai du mal à lire tous les messages, alors si tu m'en rajoutes en plus. Non, je déconne. Bienvenue aux viewers de désastre, bonjour, et bienvenue sur Minecraft. Il fonctionne pas le four parce qu'il est pas branché. Ben voilà, merci désastre, heureusement qu'il était là, merci à toi. Asne, crafte-moi une multiprise vite fait là, on manque de jus. T'imagines ce cliché là, tu vas tuer 1000 chinois là. Ouais, non, Asne, fabrique-moi une multiprise. Bah t'as l'habitude avec tes cousins, hein. Peu ce qu'on peut faire avec ça. Eh, j'aurais pas désactivé mon jetpack. Si, je l'ai désactivé. Ok. Je me suis cassé la gueule, tu sais, je suis mardi. Tu serais pas en train de te casser la gueule, là. Ah non, tout va bien. Alors, sur l'arête. Ça m'étonne qu'on puisse pas... Attends, c'est un truc de ouf, ça, quand même. Pas de raid ni de donjon. Ah si, il y en a. Eh ça... Bon bah ok. Bah les gars, j'ai réussi sans rien. Nickel. Wow. Ok. Bon là, il faut que je fasse un test. Je vais utiliser 400 millions de minerais là, mais je veux voir ce que ça donne. On avait demandé si on pouvait mettre aussi des vitres, ce qui est une bonne question et que du coup, on va essayer. Si je fais ça... Ok, donc les vitres ne sont pas adaptées pour le four. Ouais, donc non. Voilà, la réponse, hein, comme ça, si vous aviez des questions là-dessus,
On ne peut pas laisser transparaître des trucs dans le four, ce qui aurait été rigolo. Il arrive quand le dernier épisode de Fly for Fluns? Il est en train de se faire parce que je suis en train de bosser sur l'animation. Et comme bah, on a Moduction aussi qui suit un autre projet secret que je vous ai pas encore dévoilé, qui va arriver, qui est énorme, qui est excellentissime aussi sur en vidéo. Donc tellement de choses, plus les lives le soir à 21h. Donc effectivement, j'ai beaucoup de choses à faire à la fois. Mais voilà, Moduction, faut attendre 1 à 2 semaines. Parce que bon, c'est de l'animation quand même. Donc l'animation, ça prend plus de temps à réaliser qu'une simple vidéo, un simple let's play. Hein. Donc voilà. Mais ça arrive. Lentement, mais sûrement. J'ai déjà commencé les phases d'animation, les voix sont faites, il y a déjà 2 scènes qui ont été remplies, mais bon, voilà, j'ai des scènes de combat à faire, et les scènes de combat en animation, c'est à se suicider, hein, clairement. Bon, ça c'est fait, donc on peut pas mettre de vitres, c'est pas grave, les vitres je vais m'en servir pour upgrade la fonderie, encore une fois, parce que j'adore upgrade la fonderie, vas-y, on a une capacité de 1000 lingots sur la fonderie, et ben on va faire encore plus, sachant qu'en plus la fonderie je peux la mettre en 9x9, actuellement on est en 5x5, donc clairement, on pourrait être en beaucoup plus ambitieux, mais bon, c'est juste que j'ai la flemme de réagrandir la salle pour l'instant. Et paf, une nouvelle upgrade. Donc là, du coup, on a une capacité... Eh oh, calme-toi. Calme-toi tout de suite. On a une capacité désormais de 1200 lingots. C'est-à-dire, à chaque upgrade, je rajoute 200, ce qui est assez énorme. Et là, ça fond le métal, donc c'est nickel. Voilà, avec le petit réseau de tuyauterie qui est en train d'envoyer tout ici, c'est parfait. Mieux vaut du 3 avant et lent, mais bien fait, plutôt qu'un travail bâclé et décevant. Ah ouais. Bah là, plus que, en fait, c'est vraiment, bon, je prends du temps aussi parce que, bah, pour moi aussi, parce que je pourrais forcer comme un dingue et faire tous mes projets, mais bon, le problème, c'est que j'ai plus le temps de me reposer et tout, donc j'aime bien prendre le temps aussi pour, bah, geeker un petit peu le soir, avoir un peu de temps libre à moi aussi, donc, tu vois, si j'arrive à me caler 1 ou 2 heures au moins où je peux me détendre, donc c'est vrai que, du coup, c'est du travail que je fais moins, mais bon, voilà, ça me permet de rester, tu vois, frais dans ma tête, frais dans ce que j'ai envie de faire, tu vois, d'être en forme, etc., d'être motivé, donc voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Moi, finalement, j'ai abandonné, tu sais, les backpacks buggés. Je suis dans le laser, mais j'utilise pas du tout. Non, mais je vais refaire des backpacks, là. Attends, bouge pas, parce que là, je suis en train d'essayer de me battre avec un four qui a l'air de l'avaler. Il est en train d'engloutir. Ah, mais ça cuit pas. Ça cuit pas. Cui. Item can't be cooked. Ah, merde. Ah, j'ai l'air con. Ah oui, non, les infériums, en fait, tu les poses, tu les pété. Ah, tu dois les miner, d'accord, ouais. Oui, d'accord, j'ai pris carrément le mauvais truc, quoi. Oh là là. Il y a des minerais où ça mine pas, enfin, ça se cuit pas. En tout cas, la capacité du four est insane. Elle est juste insane. Oh là là, je sais pas. Ah, mais c'est toujours des stacks de 16, c'est chiant, ça. Littéralement, si tu prends un quantum et tu le mets là-dedans, bon, ça sert à rien si vous faites un hors-processing, mais genre, ah, oh, pour retrouver le minerai, là, regardez. Je vous ai de me déplacer tout doucement et de faire « Ah, je l'ai trouvé !» Par hasard. Genre là, je crois que ça va être compliqué de vous démontrer à quel point le four... Enfin si, je pense que vous avez compris en fait. Je pense que vous l'avez vu, à quel point le four est démentiel quoi. Il a une capacité tellement énorme que tu retrouves pas les minerais. Ils sont perdus dedans. Je sais pas combien de stacks on peut mettre là-dedans, mais... je crois qu'on peut mettre plus... Tu vois, imagine un coffre de... Je pense qu'on peut mettre plus d'un coffre de diamants dans le four. À faire cuire. Hey Flouzinator, avec un abonnement de niveau 2, merci Flouzinator pour ton sub, merci à toi. Merci. Donc ouais, effectivement, on va pouvoir faire cuire 4 millions de trucs. Bon, en même temps, ça prend le même temps. Donc c'est vrai que si tu arrives avec 400 000 cobblestone à faire cuire, c'est intéressant. On est déjà à l'équivalent de 247 blocs de brickstone. Oh, c'est beau. Ça c'est bien parce que ça va vous permettre de faire du coup l'Ender Tank qui va pouvoir se faire one shot quoi. Par contre, il faudra qu'on allonge un petit peu. Avec le lance-flamme, on peut cuire les matériaux. Voilà, bah du coup, on n'a plus besoin de... Vous voyez tout ce que j'ai fait là? Eh ben, ça sert à rien. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Non, c'est pas grave. L'objectif de Tinker, c'est de découvrir un petit peu Tinker aussi. Donc oh, même c'est si... la craque. Hein? Regarde le mur. Arrête, mais mon beau bâtiment. Bon, c'est ce qu'il a fait, mais... Mais mon beau bâtiment. Enfin, on l'a fait à deux, mais... Et non, 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 ce mur-là que Clem casse, c'est moi tout seul, hein. Oui, mais c'est juste ça, oui. Oui, bah c'est un mur, hein, ça va, c'est pas... T'as pas eu non plus... Non, je vais dessiner... Non, je vais écrire Asno dessus. Tu comptes attaquer Galacticraft dans combien d'épisodes? Bah là, le temps de caler Applied, juste pour qu'on ait une station de stockage, et après, je pense qu'on se met dessus. Donc je pense que dans 2-3 épisodes, on va partir sur Galacticraft, hein, ça...
Ouh, yes. Parce que là, on s'est préparé un peu et je voulais qu'on ait vraiment au moins une station de stockage pour qu'on arrête de se balader avec 400 000 coffres et qu'on ait tout sur un seul truc. Donc avec Clem, on va s'y mettre à fond. On sera peut-être même fait en live. Arrête de pisser sur les murs. Putain, il est chiant. Hein. Il en met partout. Bon, en tout cas, ça, c'est un succès, donc c'est cool. Merci. Oh, deuxième tête. Putain, oui, d'accord. Le temps qu'on fasse enfin, tout ça, pas trop tôt. Le temps qu'on fasse tout ça, Asd, en fait, lui, a récupéré deux têtes de Wither. Voilà, chacun ses priorités. Mais du coup, on va juste réaliser un petit backpack, parce que c'est quelque chose que je veux faire quand même depuis un bon petit moment maintenant. Non, j'ai du gaz. Ouais, non. Il est entre mes deux fesses, tu veux les écouter? Bon, je vais me coucher, alors, sur ce, ouais, du gaz. Je suis devant vous, mais pas trop. Mais qui c'est qui... Arrête, tu me tues! Mais non! Bah attends, ne meurs pas. Bah, je vais mourir. Genre, attends, non, ça t'a paniqué ta vie à ce point? Bah si. Il va mourir. Ah bah si. Mais... Ah putain, mais t'es mais j'ai juste cliqué un tout petit coup, putain. Ah. Octogone, tout de suite. Oh non. Attends, mais je suis mort... Ah oui, je suis mort là-haut. Tu veux le lance-flamme? Non. Et on va faire un épisode... J'en veux pas. De baston. Putain, t'as de la chance, tu lags. Mais tu lags de ouf, putain, j'arrive pas à te frapper. Ah, ça va pas. Être le dawa. Ah ouais, c'est le dawa. Alors je sais pas si c'est moi qui ai tapé, qui ai essayé de taper Clem et qui ai frappé les coffres au hasard. C'est possible, hein. Genre quand t'as essayé de te sauver, à mon avis, j'ai essayé de te foutre des coups et j'ai pété les coffres. C'est moche. Dans la maison. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Je demande réparation, Octogone. C'est une fleur en chine. Ah oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu branles? D'accord, il s'amuse. Clem, tu te calmes. On peut faire une statue géante? Non. Ah, c'est de la merde. C'est que deux blocs, je crois. Bah, essaye de faire 4 blocs, mais je crois pas. Bah, j'ai ah oui, t'as essayé. D'accord. Ah, oh, mais salaud. Gravé dans le copper. Il s'amuse beaucoup trop. Si tu t'amuses bien, Clem. Je l'en mets partout. Je mangerai. Oh, le dab. As the dab. Par contre, les gens vont... Le dab du Han. En fait, As n'y joue pas, on le voit pas. Si, si, il est dans le Nether en train de farmer des squelettes Wither. Pour essayer de récupérer. Putain, mais je sais. Il est en train de... Il est en train de récupérer des squelettes. Et c'est pour ça d'ailleurs que Clem en fait s'amuse. Iron Nuggets et du Flint. D'accord, et donc ça, il va nous en falloir. 3, 4, donc 4 cuirs. Est-ce que j'ai 4 cuirs? Oui. Faut combien? Comme ça? Oui, voilà. Ok. 4. Parfait. Donc 4 pour s'améliorer. 3 lingots de fer et encore un coffre. What the f... Okay. Non mais... Clem, tu sais, il y a un moment, il était très sérieux, il était parti et tout, puis il y a un moment, ça a explosé dans sa tête. Il a pris le marteau et ça l'a rendu fou. Donc le renforcé de backpack. Maintenant, on connaît la réponse. Voilà, tu commences à grandir. Mec, il est pas encore assez grand. Donc, le troisième, on peut en faire un troisième et après, ça va devenir par contre le quatrième. Il est vraiment plus gourmand parce que le quatrième, c'est du Shulker Shell et de l'Ender Dragon Scale. Donc il faut qu'on tue l'Ender Dragon pour avoir un plus gros backpack. Mais déjà, on peut avoir celui-là. C'est à base de 4 cuirs encore. Donc oui, c'est possible de le faire. C'est reparti. Hop. Flynn. Alors, je crois que c'est comme ça. Ok. Voilà. Oh, ensuite, j'ai frôlé la lave. Deux diamants. Il me faut du blaze. Deux diamants. Alors, diamant là-haut. Bonjour, Wither Skeleton.
sur l'Advanced Backpack. Voilà, on a un backpack qui va être plutôt cool et normalement qui n'aura pas de problème. Et alors l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre aussi des upgrades ici pour pouvoir placer des torches automatiquement, se nourrir automatiquement, etc. Donc il y a beaucoup de choses. On peut même générer de l'énergie avec ce sac. C'est ça qui est génial. Il y a énormément de choses. Je l'avais présenté hein, déjà parce que je trouvais que ce mode pack pouvait être, ce mode de backpack pouvait être excellent, notamment dans des aventures modées comme ça. Donc on verra ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, du recul d'art, tu devrais faire un live. Objectif du jour, ce serait cool. Eh ben, objectif du jour, l'objectif du jour est fait. L'objectif du jour, c'était optimiser. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, l'objectif, je vous dirai à chaque fois, il y aura un objectif. L'objectif, c'était optimiser ici et automatiser notamment les fonderies. Donc là, la fonderie free used, ouais, c'est bon, c'est stoppé. Comment c'est possible, ça? Comment ça s'est arrêté? Ah, parce qu'il n'y a plus de lave, oui, voilà. Donc, optimiser tout le système. Donc, ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que les castings bassins, etc., la fonderie, tout se fait. Réaliser le four géant et faire un petit backpack. Parce que depuis un moment que je me disais qu'il fallait que je me fasse un backpack. Donc, l'objectif du jour est terminé. Nous avons fait un énorme four géant. Et on peut faire encore plus. Bravo. Qu'il a une capacité exceptionnelle. La fonderie est faite. La prochaine fois, on partira sur Applied Energy Stick. Probablement réaliser donc des autocrafters. Donc soit en live, soit en vidéo, on verra. Peut-être qu'on le fera en live. On verra. En tout cas, l'épisode du jour est terminé. Donc il y aura des épisodes pour les statues, il y aura des épisodes, bien sûr, pour plein d'autres. Donc voilà. Voilà, on a beaucoup d'objectifs. Dans 2-3 épisodes, on partira sur Galacticraft également. Mais voilà, on a tant de choses à faire. On essaie de continuer le plus longtemps possible sur Moduction. Je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous donnez pour Moduction à chaque fois. Voilà, c'est le début, le retour du live. Donc si jamais les gens qui regardaient cette vidéo sur YouTube et qui vous dites « Ah, mais j'aimerais bien aller au live », c'est sur Twitch. Twitch.com/Azendark. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est le soir vers 21h généralement si je fais des lives. Je l'annonce sur Twitter et sur Discord. Également, vous avez une notification si jamais. Donc voilà, des gros bisous. Ciao à tous. Et à la semaine prochaine les amis pour de nouvelles aventures. Ciao. Des bisous. Salut, au revoir. Cassez-vous. Oh le mec. Ah ouais, comme ça. Très bien, très bien. Ouais, maintenant le live est terminé, mais cassez-vous maintenant. Plein de bisous les gens, ciao.